Prime Minister. Ukrainian President Volodymyr Zelensky met Iraqi Prime Minister Mohammad Shia al-Sudani on May 19 on the sidelines of the Arab League summit in Jeddah. Addressing the summit, Zelensky, who wants to build support for Kyiv's battle against Russia, asked the delegates to support Ukraine's formula for peace and thanked Riyadh for its role in mediating a prisoner release last year. A French government plane took Zelensky to the summit in Saudi Arabia and will later take him to the G7 summit in Hiroshima, a source familiar with the matter told Reuters. Fighting for freedom, for our territory, integrity. Незважаючи на те, що поки що у нас іде війна, Україна зацікавлена в розвитку наших двосторонніх відносин на співробітництві. Вода айдан антахи захасил фусаль ва мунакаша المشاريع المعارضة في مجالات مختلفة في إطار توفير العلاقات الأفرادية. For freedom for our territory. ولكن الرسالة تم بتطوير علاقات ثنائية مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا لإلقاء كلمته فليتفضل. Thank you. At first, I express my gratitude for the warm hospitality to His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman, to the entire people of Saudi Arabia and the city of Jeddah, which is hosting this meeting. I hope that most of us are here for the sake of peace and justice. Dear participants of the summit, today, in the 450th day of the full-scale war waged against us by Russian invaders. The occupied Crimea are Muslims. We already have a positive experience with Saudi. Ne me demandez pas de justifier ces actions. Mais aujourd'hui, quand on voit Mouchigou à la tête de l'EUF, ça prêterait pas confusion, Monsieur Mindé. Ah, il faut demander ça au président Macron. Nous avons appris avec une grande surprise. On voulait forcer même notre administration électorale à présenter les rapports qu'il va venir présenter au Parlement, oui. À l'Organisation internationale de la francophonie. C'est ce qu'il a demandé. Lorsque nous regardons celui qui est ou celle qui est à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, excusez du peu, c'est Louise Mushikiwabo qui est membre de la phalange, on va dire, la plus extrémiste, pour employer une sorte d'euphémisme, la plus extrémiste du FPR rwandais. Et donc, ça, nous revenons un peu au schéma duquel nous sommes sortis, où on nous obligeait de présenter la liste des armes que nous voulions acheter. Okay. C'était une sorte d'embargo déguisé. Donc, on veut nous mettre sous la coupe de l'ennemi qui nous agresse. Donc, présenter notre liste à une organisation internationale de la francophonie dirigée par une phalangiste rwandaise, c'est nous amener à présenter à Kagame la liste de nos électeurs, comme lui demander de contrôler nos élections. Nous ne pouvons pas conseiller, moi comme législateur, je ne peux pas, je me refuse à conseiller au gouvernement de mon pays d'adhérer à ce schéma-là, de présenter la liste de nos électeurs ou les rapports de l'administration électorale à une organisation internationale dirigée par une phalangiste pro-Kagame. Ça, en tout cas, je ne l'accepte pas et c'est le point de vue de grande majorité d'élus au Parlement. Ah là, vous le dites, vous n'avez pas la décision. Vous n'avez pas la décision. C'est le gouvernement qui Et qu'est-ce que le gouvernement pense à ces sujets? Bien sûr, je parle ici pour que le gouvernement puisse inciter le gouvernement. La température. J'ai dit au gouvernement qu'il faut éviter cela. Ça, c'est mon rôle. Moi, je n'ai pas à décider. C'est au gouvernement à décider. Mais nous nous opposons catégoriquement à ce qu'une phalangiste de Kagame puisse contrôler, ne fût-ce que de manière même symbolique, le processus électoral en République démocratique du Congo, puisque c'est notre agresseur. On ne peut pas lui donner cette possibilité là de le faire. Mais vos déclarations, c'est comme si on faisait le jeu. Vos déclarations, c'est comme si on faisait le jeu
de nos agresseurs. Mais vos déclarations semblent comme des pétards mouillés. Et pourquoi vous n'allez pas directement à des faits, quitter la francophonie une fois pour toutes? Ça donnerait quand même de l'écho. La francophonie n'appartient ni à Mushikiwabo, ni à Macron, ni à qui que ce soit. Mais la présence, à tous les pays, la présence membres de cette organisation. Mais faites une action courageuse. On a vu le Premier ministre lors d'un sommet, il a quitté et il n'a pas pu prendre la photo avec Paul Kagame. Oui, c'est une action courageuse. Mais vous êtes législateur, vous pouvez impulser une action au sein du Parlement pour quitter cette organisation qui ça est en train de... Ça peut venir, mais je ne suis pas moi tout seul le Parlement. Attention. Alors, monsieur Lambert Mende, nous rentrons dans les cadres... Nous sommes 500. Vous êtes 500, mais vous êtes quand même influent. Ouais. Nous rentrons dans les cadres de l'actualité, comme on a... Rekarero twerekeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni mu gihe amatora kuri ubu ngubu bakomeje kwegereza. Iki gihugu nacyo gikomeje kugenda kigaragaza imbogamizi zitandukanye. Kuri ubu noneho izigezweho nuko amatora atagomba kuba mu gihe umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa OIFE uyobowe n'umunyarwanda kazi Louise mushiki wabo kubera ko ngo ntabwo bazigera na rimwe bemera ko uyu muryango ugenzura amafishi yitora kandi nyamara biri mu nshingano zawo. Tugiye gukomeza kubikomozaho tunarebere hamwe icyo Louise mushiki wabo azizwa n'abanyekongo. Nongiye kuguha ikaze watangiye nawe ubwawe ubikurikira mu mashusho n'amajwi watangiye wiyumvira mu haikaze. Rero reka tudatinze tuve mu zindi muzingo ibijyanye n'aya makuru akubiyemo ibirego n'ubundi bidasiba bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku gihugu cy'u Rwanda. Ni depite Lambert Mende Omalanga ni mu kiganiro cyatambutse ku cyumweru yahamagariye guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kutemera umuryango mpuzamahanga wa Francophonie cyangwa se OIFE kugenzura amafishi y'itora cyangwa se kugera ku malisti y'abazatora baherutse kwandikwa na komisiyo yigenga y'amatora CENI kubera gusa ko OIFE iyobowe n'umunyarwandakazi. Uyu muyobozi w'ishyaka CCU aravuga ko uyu muryango mpuzamahanga uyobowe n'u Rwanda ngo rufatwa nk'igihugu cy'abanzi ndetse cyateye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati twumvanye gutangara cyane ko bashaka guhatira ubuyobozi bw'amatora gushyikiriza OIFE raporo nk'iyo CENI yashyikirije Inteko Nshinga Amategeko. Ni muri iki gihe rero OIFE iyobowe n'uwahoze ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Louise Mushikiwabo ntishobora kugenzura amafishi y'itora ya Kongo ku bwa Lambert Mende wigeze kuba Minisitiri w'Itumanaho n'umuvugizi wa guverinoma ku butegetsi bwa Joseph Kabila nk'uko iyi nkuru dukesha digital.congo.net ikomeza ibitangaza. Yagize ati Louise Mushikiwabo ni umwe mu bagize agatsiko k'abahezanguni ba FPR yo mu Rwanda. Yatangaje ko yujuje amahame yo kudashyira